Puisque nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Av, Mishnichnas Av, Mematim Besimcha, on diminue la joie, mais on ne l'enlève pas. On est le 21 juin, mardi soir. Shiur dédié. Pardon ? Juillet. Qu'est-ce que j'ai dit ? Juin. N'importe quoi. On est le 21 juillet, pas le 21 juin. Autant pour moi. Il m'arrive des fois de me tromper dans les noms, dans les trucs, parce que j'ai tellement de choses inscrites. Une fois, j'ai dit Eliaou Gematria 49, c'est 52, parce que j'étais méboulbal avec un autre nom en même temps ce soir-là. Donc, plus doucement, mais sûrement. Ce soir, on verra deux noms pour ce premier cours, et ensuite encore deux noms. On va étudier les noms donc, qui ont été achetés par Priscilla Rachel Atlan pour une bonne grossesse, une bonne Bezrat Hashem, un bel accouchement, un beau bébé si Dieu veut. Pour les noms de Nourit et Bracha, donc deux noms féminins, et ensuite un deuxième cours qui a été acheté par Yaakov Mordechai de Genève à Yakar pour l'honneur de Moshe Rabbeinu pour les noms de Nathan et Michael. Voilà, donc ce seront les quatre noms qu'on fera ce soir. Premier cours pour Rachel, Priscilla, Atlan, pour une bonne grossesse, Nourit et Bracha sont les deux noms, et ensuite un deuxième cours pour Nathan et Michael, acheté par Yaakov Mordechai. Sans plus tarder, on commence par le nom de Bracha. Bracha, vous savez que c'est un nom extraordinaire qu'on retrouve 22 fois dans tout le Tanakh. Le monde a été créé par la lettre Bet parce que justement elle était composée du mot Bracha. Bet commence par la lettre Bet qui veut dire Bracha, bénédiction. Est-ce que c'est bien ou pas d'appeler un enfant par ce nom-là? Au niveau des lettres, si on revient un petit peu sur le secret des lettres, on verra qu'il y a la lettre Bet qui est chesed absolu. Donc la lettre Bet est signe de bénédiction extraordinaire. Ensuite on a la lettre Resh qui par contre représente dinim absolu, c'est-à-dire la rigueur absolue. Ensuite, on a la lettre kaf, qui est mélangée de din et rachamim, rigueur et miséricorde, et la lettre e, qui retourne dans bonté absolue. Ce qui fait qu'au niveau des lettres, c'est parfaitement équilibré, des lettres magnifiques, composées de la lettre he, qui est productrice, donc c'est une lettre qui permet d'avoir plus facilement des enfants, Baruch Hashem, et techef nire, sheshma ken i. Ce nom porte la signification de ce qu'il veut dire. Chez Neymar, Yeshba Bracha Ve'atzlacha. Quand on appelle son enfant Bracha, on met sur lui de la réussite et de la bénédiction. Achatim Bracha Ruchanit Ve'gashmit, aussi bien dans le domaine spirituel que matériel, ce nom porte chance. Obechol Davar Chez Ta'asok Ve'tilmad, et dans toute occupation qu'il mettra en application, toute étude, mise en application, chez Titrazek Bemuna Batase Akol Besimcha, il faudra que celui qui porte ce nom, comme tous les autres, ceci étant, pratique tout avec 100% d'Emuna et de joie, car Bracha est un nom de joie. Akol Besimcha, Betatmid Besimcha, Mitor Bitachon, Veatzmaout, Bli Lismoch al Shum Adam. Alors, juste un instant, Bechol Davar Sheta Asok, donc dans toute chose qu'il fait, en général, ce sont des gens qui ont une confiance en eux, donc c'est déjà une bonne chose, qui ont une émouna qui est forte, mais qu'il faut qu'ils la maintiennent dans tout ce qu'ils font. Ils ont en général une joie de vivre qui est très intériorisée, mais à l'intérieur d'eux, donc en général, ce sont des gens qui vont bien, Baruch Hashem, qui sont assez indépendants et qui ne comptent pas sur les autres. Ce sont des gens qui aiment se débrouiller plutôt seuls. Décidément, ce sont des gens qui, en général, amènent sur eux un mazal qui est assez large et assez abondant, même très abondant. Et donc, quel serait leur tikkun dans ce cas-là? Ils perdent de la vitesse quand ils ne comptent que sur eux sans Dieu, mais quand ils mettent toute leur émouna en Dieu, Hachem leur ouvre les portes. L'ismor rak al Hashem she'akol mamash akol mi'ito et de barach. Ils doivent se vivre que tout ce qu'ils réussissent dans leur vie, parmi c'est normal puisque c'est un nom de bénédiction, ils pourraient penser qu'eux-mêmes sont un peu Dieu, chas v'shalom, et donc ils ont pour tafkid vraiment de remercier Hashem, d'où l'importance pour le nom bracha de faire beaucoup de seudat odaya, de remercier constamment Hashem. Et quand il réussit une belle affaire ou qu'il réussit à finir une belle maserhet, de faire une grande seudat odaya pour Hashem. Vetzricha liyot besimchat tamid gam im lifamim yesh kshaim venisyonot b'chaim. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens qui passent, qui ont une vie rose. Ils ont aussi des épreuves et des remises en question. Mais leur tikkun dans toutes ces épreuves, justement, est de garder le sourire.
Achat Rachama Meod. Donc vous savez que Bracha, j'ai oublié de le dire au début, c'est un nom de fille et non pas un nom de garçon. Mais dans cette génération, tout est unisexe et malheureusement ou heureusement, peu importe, il y a aussi des garçons qui s'appellent Bracha. Mais il faut savoir que le nom Bracha est féminin et non pas masculin. Achat Rachama Meod, c'est une personne en général qui est assez intelligente, même très intelligente. Imrayonot Mavrikim, qui a souvent de très bonnes idées. Eureka. Shozrot Veolot Behemcher Darka Bachaim, qui aiment aider en général et qui savent s'élever dans tous les domaines spirituels comme matériels. Gam Shemichapeset Bet Zuga, et quand elle recherche même son époux ou son épouse, puisqu'on parle aussi ici de filles et garçons, les Chaim Tzricha Achat, Yetziba Vechazaka, il est impératif que leurs conjoints soient des gens équilibrés et réguliers, forts de caractère, forts de personnalité, mais dans la douceur. Meprina Ruchanit Benafshit, aussi bien dans le domaine spirituel qu'au niveau des midot. Kedesh, Lehakim, Mishpacha, Bekdusha ou Taora. Donc si c'est une fille qui s'appelle Bracha, elle aura vraiment besoin d'un homme avec du charisme, en d'autres termes. Et si c'est une fille, si c'est un garçon qui s'appelle Bracha, il aura besoin d'une femme qui est vraiment la tête sur les épaules et équilibrée dans sa façon de penser. Le Taoral a donné la Torah, Vechen Zocha Be'emet le Bracha Bechol Trumi Achaim. Donc je reviens, Kedel Lehakim, Mishpacha, Bekdusha ou Taora. Al. Donc si, bien entendu, les gens qui s'appellent Bracha veulent réussir une vie de famille en équilibre avec leur travail, parce que ce sont des gens qui, quand ils travaillent à 100%, quand ils étudient, ils se mettent dans l'étude, ce sont des gens qui vont jusqu'au bout de leur passion, eh bien, la Torah est leur meilleur allié, l'étude de la Torah, la Yirat Shamaim et la Emouna, Bekar Zocha Be'emet le Bracha Bechol Atrumei Achaim, et ce nom-là portera automatiquement sur lui les bénédictions dans chacune de ses actions quand Dieu les accompagne au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Grâce à la lettre E du nom Bracha, elle peut enfanter beaucoup d'enfants. Afalpi Shachem Bracha, Mishura Shachem Baruch, Mutar Likro Beshem Ze, Lebat, Ach Lo Ikra, Le Nekeva, Hashem Niftar, Shayash Mobra, juste un Baruch. Alors, il donne un enseignement un peu bizarre ici. Il dit que même si ce nom-là, le nom de Bracha, est un excellent prénom à donner à sa fille, donc je rappelle qu'il y en a aussi qui le donne aux garçons, si une personne décède ce nom, si une personne est décédée qui s'appelait Baruch, on ne rappellera pas son nom, on rajoutera le « et », comme ça on a l'habitude de faire. Top. Ok, c'était un petit rajout, c'était pour le nom Bracha. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nom-là ? Il demande justement, est-ce que Bracha et Baruch, c'est pareil ? C'est presque pareil. C'est pas tout à fait... Je voudrais voir d'ailleurs un petit détail. Vous avez posé la question. Juste un instant, je tourne la page. Baruch. Ken. En général, les gens qui s'appellent Baruch sont beaucoup plus calmes que les gens qui s'appellent Bracha. Et Baruch, c'est le masculin. Le féminin, c'est Bracha. Ce sont des gens qui détestent les guerres, les machlokot, qui préfèrent s'arranger, quitte à perdre, pour vivre dans le shalom et l'harmonie. C'est là, les Pirsoum et Teilas, ce sont des gens qui sont très, très réservés, très timides. Ils n'aiment pas qu'on les complimente en public. Non, c'est un peu différent. Par contre, ils ont souvent des épreuves très difficiles dans leur vie. Ils sont souvent trahis par les plus proches. Et en forçant le Kherim, Sagour, Bazé, Betor, Hatzmo, ce sont des gens qui sont très intériorisés. Bli, Léotzi, Vénénassot, les Azer, Besovim, qui ne cherchent pas spécialement de l'aide à l'extérieur, parce que malgré tout, ils finissent avec le temps toujours à arranger leurs propres problèmes. Ce sont des gens avec un très très grand cœur, les gens qui s'appellent en général Baruch. Zélé, Tovato, Briotor, ou Chet, Perle, Osod, ou Ishmor, quand tu leur racontes un secret, ils savent le garder. Oto, Etzlo, Vénétan, Ismor, Halav, ce sont des gens sur qui en général on peut parfaitement compter, les gens qui s'appellent Baruch. Ce sont des gens qui sont Amin, qui sont... comment on dit Amin en français ? Confiant. Oui, on peut avoir confiance en eux. Yajvarim, Shtakla, Sotam, Bechaya, Yom, Yom, Betamid, Docha, Otam, Lesmanim, Kherim. Le problème, c'est qu'ils reportent souvent au lendemain ce qu'ils pourraient faire le jour même et encore plein d'autres choses. Alors, on finit ou on fait l'autre nom ? Pour Baruch. On le termine vite fait, dit mon épouse, donc on le termine vite fait. Très bien. Alors, on a rajouté un nom pour Priscilla. Rachel. Donc on reste avec Baruch.
Et il dit ici, Vamukim Nistarim. Alors juste un instant, on revient en arrière, puisqu'on va le finir. Un des défauts qu'il a, c'est qu'il remet souvent au lendemain ce qu'il aurait pu faire le jour même. Il a une attirance pour la profondeur dans les discussions, de bien comprendre le fondement de chaque chose. Comme par exemple s'il rentrait dans les pensées de la Torah à plusieurs échelles différentes, il est évident qu'il sera très vite attiré par le secret de la Torah et entre autres le Zohar, car il aime les profondeurs et les explications dans ce monde, car ça lui donne des moments de shalva paisible et roga. Parmi les rabot shenimsa bazviva, bachevra kimat ve'enu mepached et piv ben letova ben lera'a mamash vechoser bemilim bidburim memaet ledaber. Oula, je reviens un peu en arrière. Parce qu'il a mélangé deux choses ici. Il lui arrive souvent, quand il est dans la société dans laquelle il vit, dans le travail ou ailleurs, ce sont des gens qui parlent en général très peu, ni en bien, ni en mal, car c'est pas qu'il a un problème pour s'exprimer, mais ce sont des gens qui font assez attention au domaine de la parole. Ils ont peur de trop s'avancer, ou de salir, ou de remonter des situations avec leurs paroles, ne sachant pas où ils vont. Donc ils sont assez réservés au niveau de la parole. Et même au niveau de ses sentiments, c'est dommage pour lui. Quand il aime, par exemple, il va le montrer avec un geste, il va le montrer avec un regard, avec une sortie, avec un cadeau, mais il aura du mal à vraiment l'exprimer, ce qui est dommage, parce que souvent il a de très belles choses à dire, et comme ce n'est pas un grand parleur, eh bien, il retient ses paroles, qui souvent ont besoin d'être entendus. Chez les familles, ze yotzer etzlo metachim nafshiim, valiedeze sicha petucha. Et s'il ouvrait un peu plus son cœur à parler avec de vrais amis, avec Rav, avec une personne en qui il a une totale confiance, ou même son épouse, beitbatot betor chevra, iske les shavat nimit, il arriverait à se débarrasser beaucoup plus vite de ce genre de vase, parce que ce sont des gens qui accumulent beaucoup à l'intérieur d'eux les épreuves, sans montrer à l'extérieur leur désarroi. Tout est à l'intérieur, et c'est dommage, parce que ça les noie eux-mêmes dans une tristesse, une espèce d'injustice qui pourrait tout à fait libérer s'ils avaient un peu plus la parole facile pour s'exprimer de leurs problèmes. Il y a des choses sur lesquelles il est très, très, très makpid, il est très têtu, et ne les annulera pas. Mais il y a des choses sur lesquelles il peut tout à fait laisser passer. Le carotte chez Zeya, c'est pas même tsarikh levater. Et des fois, dans son côté têtu de ne pas lâcher le morceau, il peut en arriver à des dégâts qui auraient pu être, s'il avait un peu mieux pensé, annulés. Vimazman akol yavo bimkomo veshalom. Mais le nom Baruch est rempli. Donc on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même des différences. L'autre, c'est vraiment réussi dans tout ce qu'il fait. Baruch, c'est un peu moins. Mais par contre, ce qu'il y a de très bien chez lui, c'est qu'avec le temps, tout finit toujours par s'arranger pour lui et il retombe sur ses pattes comme un chat qu'on a lâché d'une hauteur pour retrouver ce dont il a le plus besoin dans sa vie. Quand on s'appelle Baruch, c'est du shalom. Ils ont besoin de paix, qu'on les laisse tranquilles chez eux, qu'on les laisse tranquilles dans le travail. Ce ne sont pas des gens qui aiment se battre ou qui défient les autres. Le Ekral et Tinoch, Hashem niftach nikra baracha, ve'achshav rotze likro shma, Hashem baruch lezachar, yeshbo, zesakana. Tov pareil, avec ce nom-là, éviter de donner ce nom-là à une personne qui est niftar, de rappeler en son nom, un peu bizarre. Ok, c'était pour le nom bracha. Nourit, on l'a fait ? On l'a pas fait encore. On l'a pas fait encore. Non, on l'a pas fait. Nourit. On l'a fait juste bracha, là. Ah, ok. Donc on a fait bracha, baruch, et on fait nourit. Maintenant, on passe au nom Nourit n'est marqué nulle part dans toute la Bible, les 24 livres de la Bible. Donc c'est un nom féminin, Ezrat Hashem. Techef Navin, Veneda. Peila, Betoseced, Rotsam, Imakom, Lemakom. Ce sont des filles qui sont très actives, qui n'hésitent pas à bouger d'un endroit à un autre s'il le faut. Bliminoucham, même sans se reposer. Yeshba, Akoach, Ayecholed, Veotsmagdola. Ce sont des gens qui ont un potentiel extrêmement important, qui peuvent faire énormément de choses, une énergie très puissante en général. Les filles qui s'appellent Nourit sont investies d'une neshama très puissante, un peu des volcans comme ça de la vie.
L'HPA, la Svivata, elle peut très facilement influencer, sait très bien se débrouiller avec la parole, s'exprimer, avec Sholechet Bederech Anechona. Et quand elle va sur le bon chemin, Isha Keshura, l'Echol Chomer Betsura Gashmit Gedola, qui se connaît très très bien dans le monde matériel, tout ce qui touche au domaine professionnel, au domaine de la gestion, au domaine de l'art, de tout ce qui touche à tout, dans ce domaine, elles sont vraiment expertes, elles apprennent très vite et n'ont pas de problème. Ce sont des filles qui savent tirer profit de tous les plaisirs de ce monde. Comme par exemple choisir les meilleures directions, les meilleures vacances, les meilleurs hôtels. Elles ont un esprit assez harif dans le monde de la matérialité. Malgré son côté explosif qui ne cesse et qui est capable de soulever des montagnes, elle a une sensibilité très très grande à l'intérieur d'elle. Ne pas oublier que c'est une femme sensible. Et les filles qui s'appellent Nourit devraient se donner plus souvent rendez-vous avec elles-mêmes plutôt que de chercher à se mentir à elles-mêmes. Ça veut dire que des fois, elles n'en peuvent plus. Non, ça va, et elles continuent. Des fois, elles ont besoin de s'écouter parce qu'elles savent que c'est une direction qui peut les emmener à des complications. Malgré tout, elles vont y aller. Et donc, ce nom-là doit aussi se donner rendez-vous, Bli le Shaker le Atzma, sans pour autant se mentir à elle-même, parce que malgré tout, comme elle est forte, des fois, elle pousse les limites de ce qu'elle pouvait faire au-delà de ce que son potentiel lui donnait. Ça les fait des fois s'effondrer totalement, ne pas aller au travail le lendemain, un peu décrocher, parce qu'elle ne s'écoute pas, ou même les Acherim, et elle n'écoute pas non plus les autres, dû à ce charisme intérieur, cette personnalité sur laquelle elle base toute sa façon d'être. Et donc, un de ces tikkun à elle, c'est d'adhérer à la vérité de ce monde et au temps de ce monde, c'est-à-dire de mieux gérer son temps. Un temps pour les enfants, un temps avec le mari, un temps avec le travail, un temps avec ses amis, féminins bien entendu, et ainsi de suite. Yeshba yetzarim soharim meod, chazakim upamim rotza la sot devarim raim o kashim. Yeshba yetzarim soharim, des fois elle peut avoir, si elle n'est pas dans la Torah, un yetzarara très très grand en elle qui peut l'emmener vers des horizons négatifs, et même à faire des choses qui ne sont pas spécialement bien, et même difficile. D'où l'importance pour les filles qui s'appellent Nourit, comme toute fille d'Israël, ceci étant, d'être très baignée dans le moussard, dans la morale, et dans, la Yirat Shamaim. Sinon, elles peuvent un peu gambader. V'etzricha l'enatev v'elishmor d'acha d'arech emoteno akdoshot. Et donc, il le dit ici ouvertement, quand on s'appelle Nourit, comme on a un volcan comme ça à l'intérieur d'un potentiel, on peut faire tellement de choses, on aime bouger, on aime diriger, on aime... C'est une fille qui s'appelle Nourit, elle va prendre de prendre le volant et de voyager 300 km aller-retour à la Béaïa. Ce sont des gens qui n'ont pas peur d'affronter les réalités de la fatigue et des engagements. Mais malheureusement, à cause de cela, si ce n'est pas canalisé, si elles ne vont pas sur le chemin de nos mères qui sont Kedoshot, avec une Emouna et une grande Irat Shamaim, Pshuta Chazoshon, Lolipol et Sakana, elles peuvent se mettre en danger, et leur judaïsme en danger, voire leur famille. Parce que ce sont quand même des femmes qui se tiennent très proches de leur mari, mais elles ne sont pas derrière le mari. Elles sont à la même hauteur que le mari, même niveau. Tov, Pe'amim, She'i Akshanit Me'od, Ve'gdola, Me'od Akshanit, c'est une fille en général qui peut être très, très, très têtue. Omedet Bechela, Vena Makshver Lexviva, ce n'est pas une fille qui se laisse influencer par la société, et encore moins par ceux qui lui parlent. Quand elle a une idée en tête, elle la garde comme un coffre-fort. Mais Chaval, et c'est dommage, Mipne, chez Kola Efset, Rakshela. Et c'est dommage car souvent elle peut se rendre compte que de se méfier c'est bien, mais des fois, quand on écoute les conseils des autres, on peut arriver à de meilleurs résultats que de rester sur ses positions. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les filles qui s'appellent Nourit ont un petit problème, c'est qu'elles elles sont prêtes à se mentir à elles-mêmes pour aller vers leur but. Alors que des fois, les gains à gagner de ce qu'elles veulent sont moins importants que les pertes pour y arriver. Donc elles devraient poser la question à quelqu'un de sage, à savoir si ce qu'elles font c'est bien ou pas bien. Mais par contre, quand elles estiment un rave, quand elles estiment à une personne qui est en général plus âgée qu'eux, quand ils ont une personne qu'elles considèrent comme étant un sage, elles savent tout à fait écouter et se remettre facilement en question. Mais au niveau de la société,
Si elle t'écoute, c'est qu'elle a estimé que tu es plus fort qu'elle, plus intelligent, que c'est très, très, très circlé comme ça, très cérébral. Elle peut avoir un côté très spirituel en elle, qui va du côté de la Torah. Donc tout ce qui touche au Gilgulim, aux réincarnations, aux secrets de la Torah, c'est capable carrément pour elle d'être une base de moralité pour qu'elle se reprenne en main. Elle n'aime pas le côté « faut être gentil, faut être bon », ça elle te dit « je le suis ». Mais quand tu rentres dans les profondeurs de la Torah et de ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qu'il y a dans la vie, les Gilgulim, les rêves, tous ces sujets-là l'intéressent en général beaucoup et la remettent en question. « Je lève Bechevra Betsura Tova » parce qu'elles savent que Dieu existe au fond d'elle-même. Donc les « Je lève Bechevra Betsura Tova » Blikaas Omeriva doivent faire attention. Donc elle doit, Bezrat Hashem, se mélanger au sein de la société, Blikaas Omeriva, et à, sans bien entendu se mettre en colère ou de dispute. Vakol Bediburim Nochim Veneimim Birvod Obeanava, Bezrat Hashem, et d'arriver à toujours parler avec humilité et avec respect pour chacun, Vekar Zochal et Hakim Bait Mishpacha Tova, et dans ce cas-là, elle sera toujours très très, 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 très apprécié. Il y a une chose qu'on n'a pas fait avec Nourit, c'est les lettres. La lettre Noun, c'est un mélange de rigueur et bonté. Vav, bonté absolue. Resh, rigueur absolue. Yud, on retourne dans bonté simple. Et Taf, rigueur absolue. Donc on voit qu'il y a deux lettres qui sont quand même remplies de rigueur absolue. Ce sont des filles qui sont très rigoureuses, aussi bien dans leur travail que dans leur vie, dans, au sein de leur famille. Elles n'ont pas de problème avec ça. Juste que, Bezrat Hashem, elles doivent beaucoup canaliser leur colère intérieure, parce que c'est pas extérieur. Ce sont des filles qui sont très diplomates, qui parlent très poliment, mais dès qu'elles voient que tu te moques d'elles ou que ça le fait pas, elles ont pas de problème de remettre en question ou de dire à son mari, viens, on s'en va, je veux pas rester ici, hop, décision, pas bon, ta 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 ta. Ok. Mais quoi, au taf, sauf schéma, par le biais de la lettre taf, nourrit, s'écrit pas avec un tête, en général, tous les noms propres s'écrivent avec un tête, en général. Nourit est un nom qui fait exception à la règle, c'est avec un taf. Ok ? Eh bien, cette lettre-là, Yesh Pamim chez Yesh Kshaim Beolada, ça peut lui apporter un peu de difficulté pour avoir des enfants, ça veut dire qu'elle n'en a pas, mais ça peut être un petit peu problématique. Kano Pri Bitna va l'aider Tfila Chazaka, mais par le biais de sa prière et de son travail sur l'humilité, elle peut très très vite régler ce problème, Bezrat Hashem, et avoir l'aide du ciel pour avoir non seulement de beaux enfants, mais même une très grande réussite matérielle et spirituelle. Donc Nourit est un très bon nom, juste le canaliser. Ce sont des filles qui savent ce qu'elles veulent, qui savent où mettre les pieds, qui savent très vite analyser les situations, juste que des fois, elles sont un peu trop têtues et feraient mieux d'écouter des personnes plus sages qu'elles pour leur éviter de perdre. Parce que souvent, si elles vont que dans leur direction et ne se réfèrent qu'à elles-mêmes, elles peuvent gagner, mais le prix d'avoir gagné n'en valait pas la chandelle. Voilà, beaucoup trop de fatigue pour si peu de résultats. Bassof, tu aurais dû réfléchir un peu avant. Voilà ce qu'on a avec le nom Nourit. Nourit et Nourit, c'est pareil ? Nourit. Je ne pense pas que ça existe en hébreu, Nourit, j'ai pas. Je ne suis pas maître Capello, mais Nourit, je ne connais pas. Okay. Nourit, oui, c'est connu. C'est un nom très israélien d'ailleurs. Il n'est pas dans la Bible. C'est bien. Nourit, ça voudrait dire en hébreu ma petite lumière. Nour. Ner. Ça, on peut le traduire comme ça. En tout cas, c'est un nom féminin. C'est ça. On se revoit dans un instant pour deux noms, Nathan et Michael. Kol Tov. Le cours pour la réussite de Priscilla, Rachel, Atlan. Une bonne grossesse et un bel accouchement, Bezrat Hashem. Kol Tov et les 30.